Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, Pasteur Baruti. Ah. Restez debout. J'ai rencontré un homme dans ma vie. Au Congo. J'étais en sa présence. Je ne sais pas, mais je pleurais. Vous savez, c'est qui? Pasteur Baruti. Pasteur Baruti. Je ne sais pas t'expliquer. Je suis entré dans son salon. Il a commencé à parler de Jésus. Je ne sais pas te dire comment. Je sentais Dieu être dégagé dans la présence de cet homme. Les larmes coulaient comme ça. Je me suis dit, nos églises ici, nous répondrons devant Dieu, nous les prédicateurs. Depuis la chair, si on montre ce qu'ils font, avec les filles qui sont dans leurs églises, pitié, Seigneur, nous répondrons pour chaque âme que Dieu nous a donné. Je sais de quoi je parle. Oh, je suis une chrétienne. Et quand vous regardez bien sa vie, elle vit avec des hommes. Et puis elle vient ici. Quelle nouvelle naissance. Oh, je suis frère. Quand vous regardez sa vie, spécialiste. Spécialiste. Pour enlever la virginité de sœurs. Si Dieu est pour moi, ce qui s'en va aller pour Nangaï, qui sera contre moi? L'année à côté de Melangaï. Si Jésus est pour toi, ce qui est sans aller pour Nayo, Nangambo Nayo. Jésus est pour toi, Yes, sans aller Nangambo Nayo. Qui sera contre toi? L'année à côté de Melayo. Nada. Motote. Nada. Motote. Nobody. Avec moi, qui sera contre moi? Jésus est avec moi, qui sera contre moi? Acclamez le Seigneur. Mettez l'encolo Yesu Maboko. Akufat, mes frères. Quand vous touchez un oin de Dieu, Dieu ne vous laissera pas. Nzambe akoti kayote. Même si je prie n'importe comment, atana bondeli boni, pour que Dieu vous pardonne, pwete nzamba limbisa yo, Dieu ne vous pardonnera pas. Nzambe akolimbisa yote. La crainte de l'Éternel bobangi na Yahweh doit vous enseigner à craindre les serviteurs de Dieu aussi. Et Sengeli Elakisayo, Oyeba Kobanga Bebasan Nanzambe. Amen. Dieu écoute la prière. Même si vous ne sentez, vous ne voyez encore rien, Dieu répondra à votre prière un jour. Quelqu'un peut dire amen à cela? Deux fois vous avez oublié. Mais Dieu n'oubliera jamais votre prière. Parce que Dieu l'a enregistré. Quand tu pries, il y a un ange qui enregistre ça. Jésus est obligé de vous répondre. Vous savez, quand vous écrivez une lettre à une grande société, ils sont obligés de vous répondre. Même s'ils ne vont pas vous engager, ils seront impolis s'ils ne répondent pas. Jésus n'est pas impoli. Et Jésus te donnera ce que tu demandes. Il répondra à ta prière. Mais en son temps. Tu dois attendre jusqu'à ce temps-là. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ténèbres. Paul est. Quand la lumière avance, les ténèbres reculent. Tant que pour les alli coco baliboso, mon lit les alli coso massima. Tel que vous me voyez ici, n'engue pour mon ingaïbouille. Je suis fort. Nazali ma casse.
papa. Nazali na kobanga ta mukete. Pourquoi? Bon anime. Le Saint-Esprit a-t-il été donné? Bon anime, mon imotan doit pesa maki. Jésus. Oh yes. Pour vous donner la puissance. Bon à copé Sabino Nguya. Le Saint-Esprit. Mon imotan. Quand le diable voit cette arme-là. Tango Zabolo, à mon imotan qui wana. Avant même vous ai tiré une seule balle. Liboso kouté Pobé Simoko, Asia Kimi. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Moto Yatana Bolimo Saint. Il a la puissance. Azali Nanguya. Quand il avance, Tango Zali Kokena Liboso. Les démons fuient. Milimo Mabe Zali Kokim. Il voulait commencer. Les apôtres. Bantoma. Jésus a dit non. Sinon vous allez échouer. Attendez la puissance d'en haut. Tel que vous êtes là. Tous les démons sont dehors. Même les sorciers. Même les sorciers. Atabandoki. Pendant que je prie et je prêche, leur sorcellerie est dehors. Pourquoi le Saint-Esprit? Pour vous donner la puissance. La puissance sur l'ennemi. La puissance. Sur toute personne qui vous attaque. Vous êtes au-dessus. Vous êtes au-dessus de lui. Vous êtes au-dessus de lui. Pour vous donner la force. Sur le péché. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Il ne péchera plus. Dieu peut arrêter cela dans sa vie. Des fois il est faible. Mais le Saint-Esprit est fort. Il peut arrêter. Vous n'arriverez pas jusqu'à faire l'acte. Pourquoi? Parce que vous avez le Saint-Esprit. Il est donné pour donner la force sur votre côté faible. Vous donnez la force sur la prière. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, la prière, il ne saura pas. Mais celui qui a le Saint-Esprit, Dieu le pousse à prier. Il doit parler à son Père. Il est obligé de prier par le Saint-Esprit. Parce qu'il doit parler à son père. Oui. Il a un problème. Il va vers son père. Il a un problème. Il va vers son père. Un enfant qui vient au monde. Mais il est obligé de pleurer. Oh là là, sangoya pas si mauvaise nouvelle, les amis, comme vous venez de voir sur les images, pas besoin de trop parler, pas besoin de beaucoup dire, les images, ça parle d'elles-mêmes, donc voilà, le pasteur Baruti, l'homme de Dieu, il vient de nous quitter, nous rendons gloire à Dieu pour sa vie,
Nous rendons gloire à Dieu pour ce qu'il a été. Il a été une bénédiction pour le peuple de Dieu, pour le corps du Christ, pour son Église, pour sa famille, pour ses enfants. Oh, Pasteur Barouti. Oh là là, Pasteur Barouti, je manque de mots. J'ai envie de parler, mais je manque de mots là. Peut-être que je vais revenir après pour parler un peu de lui, de son témoignage et tout. Pour le moment, partageons un peu la douleur. Partageons la douleur, mais Bayanga. Vous savez, sur notre chaîne, quand il s'agit de partager la joie, on est là. Quand il s'agit de danser, de crier dans tous les sens, de partager le bonheur des autres, on le fait très bien. Et quand il s'agit aussi de la douleur, de parler de ce qui fait mal, de parler de la disparition des personnes qui nous sont chères. Oui, le Congo vient de perdre un homme de Dieu, un homme respectable, un homme de Dieu. Ouais. Voilà. En tout cas, c'était juste une petite vidéo pour vous donner la nouvelle. Ça vient de tomber, ça se repent. Et là, pleurons avec ceux qui pleurent. Pleurons vraiment avec la communauté du pasteur Barouti, sa famille, ses enfants, ses cocos. Pleurons avec eux. Voilà, on va revenir après. Que mon Dieu vous bénisse. On est ensemble. Courage, courage à toute la famille Barouti. Courage, courage, courage. C'est pas évident, mais courage. Dieu seul sait. Lui qui a le calcul de nos vies. Lui qui a les dernières paroles. Lui qui a les derniers mots. Même quand ça fait mal, c'est lui qui décide. C'est lui qui a les dernières paroles. Allez, on se retrouve demain. Salut tout le monde. Voilà, merci de regarder la vidéo, de la partager aussi. Déposez ça sur vos statuts WhatsApp, ça ne vous coûte rien. Merci infiniment pour le soutien. Merci, on est ensemble. Ciao, ciao. C'est Mama Kimia Sarah. Bye. Dieu va s'appeler.